Le temps était lourd ce jour-là. Nous habitions auprès du numéro 39, comme nous l'appelions, à 1000 milles à l'est de New York. Le surveiller était particulièrement. J'étais en train de dire que ma mission était de surveiller. J'étais observateur à bord du Coastal Mendota. Notre bateau faisait le service de routine de la patrouille internationale de la surveillance des glaces. Chercher et signaler la position des icebergs est notre principale mission. Un comme celui-là, si vous ne le voyez pas d'attendre, peut causer d'énormes catastrophes. C'est de cette façon que le Titanic a coulé à proximité. 400 personnes ont trouvé la mort cette nuit-là. C'est à la suite de cet accident qu'en 1914, 12 pays se sont réunis pour établir la patrouille internationale de la surveillance des glaces. Voilà pourquoi nous nous trouvons d'ici. Les gardes-côtes américains sont chargés de ce service. Mais la plupart des gens ont oublié le naufrage du Titanic, et la plupart ignorent même notre existence. Ils ne se doutent pas qu'ils se dirigent vers nous et l'iceberg numéro 39, à 100 milles en avant. Ils sont au courant de nos activités et nous dès lors. Nous sommes en rapport constant par radio, non seulement avec eux, mais en ce moment même avec 16 bateaux appartenant à 9 pays différents. Quant aux passagers, ils ne se préoccupent de rien. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'un voyage transatlantique ne présente aucun danger. Aux alentours des bancs. Par ici, le Gulf Stream venant du sud repousse le courant froid du Labrador venant du nord. Les icebergs se trouvent pris dans ces courants contraires et c'est ce qui vient d'arriver à notre numéro 39. Il se trouvait juste à l'endroit de l'Atlantique Nord, par où passe le trafic le plus important. 2000 paquebots passent par ici, soit 1 million de personnes par an. Notre iceberg était un véritable danger. Notre radio a donc prévenu tous les navires se trouvant sur cette route afin de l'éviter. Voilà quel est le travail de notre patrouille internationale. Tout ceci se passait dans une région couverte de brouillard au croisement des routes nord-atlantiques. Une demi-douzaine d'icebergs par an peut-être descendent aussi loin dans le sud, et le nôtre était un de ceux-là. Bien qu'il avait l'air d'être seul, il faisait certainement partie de tout un groupe. Au printemps, on peut trouver près de 400 icebergs au sud de Terre-Neuve. Plus on dirige vers le nord, plus ils sont nombreux. Comme les autres, notre iceberg venait du nord. Son voyage avait certainement commencé il y a 2 ans au Groenland. Cette île immense est couverte de près de 2 millions de kilomètres carrés de glace de plus de 1000 mètres d'épaisseur. Ce n'est du reste pas exactement de la glace, mais de la neige qui tombe sans fondre, qui s'amoncelle et s'endurcit. Son propre poids le fait descendre lentement vers la mer, ce qui lui prend à peu près 10 000 ans. Et c'est alors que cette force irrésistible rencontre l'irrésistible attirance de la mer. De milliers d'icebergs se détachent des glaciers. Quelquefois, ils mesurent près d'un kilomètre de long et 300 mètres de haut et contiennent 1 million de tonnes de glace. Souvent, ils sont de dimensions assez petites et ne sont plus que de simples glaçons. Parfois, ils se trouvent pris à l'ouest du Groenland dans un courant qui va vers le nord, vers l'Arctique. Après avoir gelé là pendant l'hiver, ils descendent vers le sud, sont pris dans le courant du Labrador pendant un été pour être regelés. Au printemps, suivant, ils approchent de Terre-Neuve et de la route suivie par les navires dans l'Atlantique. À cette époque, il n'en reste que 700 à peu près.
mais c'est alors qu'ils deviennent un danger pour la navigation. On ne peut pas les diriger ou les faire sauter. On peut seulement les trouver et prévenir les bateaux de leur présence. Notre patrouille aérienne prend une part active à ce travail lorsque le temps le permet. Les pilotes et les radios cherchent, surveillent et transmettent la position des icebergs. De temps en temps, nous découvrons un navire en détresse, ou bien nous nous préparons à secourir un avion transatlantique en cas de besoin. Nous appartenons tous à la même base, à Terre-Neuve.